vendredi 18 août. On est rendu maintenant à l'aéroport de Montréal. On va prendre notre avion à 8h35 direction Vancouver. Après ça, on a un petit vol qui fait Vancouver jusqu'à Terrasse. On s'en va au North Pacific Speed rencontrer Darren, un passionné de la pêche là-bas qui gère un resort vraiment là au niveau de guide de pêche. Tout ça, on va aller se promener sur la Skeena River. Darren, c'est vraiment un guide qui est reconnu mondialement et on l'en voit partout. Je vous dirais là, que j'arrête pas d'aller voir les photos du coin, aller voir de quoi ça a l'air. La place est magique, c'est vraiment vert, hein? L'eau est verte. C'est un paradis, c'est un paradis. J'ai tellement hâte de voir ça. Et l'avantage qu'on a avec eux autres, c'est qu'ils ont des embarcations Kingfisher, des River Jet qu'on appelle. C'est des bateaux à turbine qui n'ont pas de moteur, fait qu'on peut monter partout dans les rivières. Fait que j'ai tellement hâte d'explorer ça. Puis c'est 6 jours de pêche plein, là. C'est vraiment là, un méga trip. On va pouvoir aller pêcher du poisson de fond. On va pouvoir aller pêcher du saumon à moucheuse. On a vu qu'il pognait des plis. On voit qu'il pogne vraiment beaucoup de sortes stylet, de poissons. Du stylet. Fait qu'on va avoir vraiment une belle diversité de pêche qu'on va pouvoir faire là. Donc, on a vraiment hâte d'aller rencontrer Darren. Belle opportunité pour nous autres! C'est parti, on va passer une semaine incroyable. Ça va être complètement capoté. Ouais. On vient juste d'arriver à Terrasse. On a vraiment hâte de rencontrer Darren. Il reste quelques minutes. Nos bagages vont sortir dans le distributeur ici. Je pense qu'on est vraiment énervés. Là. C'est un trip. Là. C'est complètement capoté. Là. On voyait la rivière en atterrissant tantôt. Là. C'était wow! J'ai tellement hâte de tirer une ligne là-dedans. Oh, oh, oh! Nicolas, man. Nice to meet you, man. I'm Daniel. Wow. I'm Daniel. Yeah, finally. Yes. I'm so excited to be there. Thank That's you for good. The opportunity, man, my friend. Yes. Wow. So my goal for you guys this trip would to get you guys all 5 species of salmon. They are available at this time. And to get all 5 would be a challenge, but that would be a goal. And all 5 species of specific salmon would be the coho salmon, the Chinook salmon, pink salmon, chum salmon, and sockeye salmon. Oh, wow. The most special fish in this whole river system up here is the steelhead. Steelhead. Okay. There's the Grand Slam, British Columbia Grand Slam of all 5 species of salmon caught. Now there's the Golden Grand Slam. The Golden Grand Slam includes a steelhead. Le but, c'est de faire le Grand Slam qu'appelle, c'est de réussir à attraper vraiment les 5 sortes de saumon. Puis ce défi-là, moi, je l'accepte volontiers, là, ça va être malade. Et en plus, il y a le Golden Grand Slam, autrement dit, le Grand Slam d'or. C'est de réussir à attraper un steelhead qui est une truite arc-en-ciel. C'est débile. Samedi matin, 19 août, on vient de passer notre première nuit à Terrasse. On attend notre guide un matin qui s'en vient nous chercher. D'ailleurs, je pense que je le vois arriver. Ça, c'est nous autres, ça! Vidéo stock! We're on the Douglas Channel, and we're gonna go down the channel to some secret spots and see what we can find. Les nuages sont omniprésents au travers des montagnes. On voit de la neige au-dessus des montagnes. J'ai des frissons, j'ai le sourire depuis qu'on est parti. On a environ 2 heures à faire pour se rendre à la rivière pour commencer à pêcher. C'est la plus belle run de bateau que j'ai faite de ma vie. On vient d'arriver au premier spot. Après 2 heures d'une majestueuse croisière avec notre guide Darren, c'est la première fois que je faisais du river jet. C'est vraiment, vraiment une expérience extraordinaire. On roule au travers, on voit qu'il n'y a pas creux d'eau, on prend les rapides, on monte dans des endroits là, complètement inaccessibles. On est énervé un petit peu, on est en train de préparer nos lignes. On va commencer en gigant. C'est des gros gigueurs comme ça. Parce que comme Darren disait, présentement le poisson, il se nourrit pas vraiment, il veut juste attaquer. Hey, deuxième lancé, puis on a une touche déjà au bout. Hey Darren, do you have a net or you just catch it? Oh!
Oh non! Pizza! Yeah! Wow! Yeah! Wow! Wow! Hey, on a toutes les lancées, on sort un saumon. Regardez ça, la beauté de ce poisson-là. Wow, amazing fish! Hey, ça donne un beau combat en plus, c'est le fun à tabarouette! Hey, ça lâche pas, c'est un arrière de l'autre. Hey. Ça fait environ 30 minutes qu'on est arrivé. On n'arrête pas de tirer avec des jigs au large. On pogne beaucoup, beaucoup, beaucoup de ping. Peut-être une quinzaine déjà de sorties. J'ai échappé tout de suite en décollant un beau coho. Puis Steve vient d'échapper un chum. Fait que on était déjà parti pour trois sortes pour le Grand Slam. Tu dis que c'est une place à chum, ça? Oh non, c'est un ping! Oh, je pensais qu'on avait un chum pour notre Grand Slam. On vient juste de changer de spot. On est arrivé à une autre place. Là, en fait, c'est plus un spot pour le chum. On va essayer d'aller vers la conquête de notre deuxième poisson pour le Grand Slam. Oh, ça va, ouais, c'est mon coup! Encore, on est venu dérouler. Not a pink. No, it's a big fish. Oh, it's a chum. Oh, it's a big fish. Yeah! I think it's a go. Not a pink. No, it's a big fish. Oh, it's a chum. Coming back. Yep. Oh. Lot of torque. He's there. Give me your line, Big chumbo. Here it comes. I'll keep going, Greg. I'll keep going. Oh, wow! Yeah! Yeah! Number two! Yes! Number two! Ouais! Beau combat! Wow! Première journée de pêche terminée. On vient d'arriver à notre hôtel, le lodge où on va rester pour toute la semaine. C'est vraiment incroyable. Une méchante belle place, un beau paysage. En plus, ça a l'air qu'ici, on mange comme des rois. J'ai vraiment hâte. Là, on va dépacter notre stock. On va aller prendre possession de nos chambres. On va aller souper après ça. On a une salle pour faire sécher nos choses ici. C'est vraiment bien organisé. Okay, here we go. Aujourd'hui, on est parti avec Wesley. On va aller pêcher en rafting. On a un beau rafting avec nous autres. C'est pas long, par exemple, qu'on s'est aperçu qu'on avait beaucoup trop de stock à embarquer. Je sais pas comment on va s'organiser tantôt. En plus, il mouille. Fait qu'avec tout le stock vidéo et tout ça, ça risque d'être difficile. Une chose certaine, on va quand même passer une belle journée, ça, j'en suis persuadé. My name's Wesley Meyerhofer. We're in Terrace, British Columbia. We're driving to the Kitimat River, and we're going to be fishing for pink salmon, chum salmon, and coho salmon. But yeah, getting all five Pacific salmon in 7 days or one trip, that's the ultimate goal of any person that comes here. That's the experience, the West Coast. If you get a steelhead on top of those five Pacific salmon, you can go to bed a happy man. On our way, boys. Here we go. Down to Kitimat. So we're on the Kitimat River right now, floating down about the middle section. This is a glacier-fed river. It's looking pretty good right now, water clarity. Looks like we got about 2 feet, which is pretty much perfect. On vient juste d'arriver à notre premier spot de pêche. On va installer toutes nos reels après nos cannes, sortir notre ligne. On va commencer à pêcher ici. Je viens de prendre un saumon. On a fait à peu près 4-5 lancers. On s'est rien que tassé un petit peu dans la rivière. Déjà, j'ai eu une attaque.
Un beau petit pink. Wow! Oh, hein? Hey, wow! Ouais! BC Kitty Mat River! Yes! Oh, wow, man! So today I've just laid out for us some tackle we're going to be using for coho and pink salmon today on the Kitimat River. Conventional spin cast gear, including spinners, jigs, both pink and blue are a very good option. Bottom bouncing gear with fake eggs, pencil weights and corkies. And of course spoons. Today we'll be using croc and Kitimat spoons. J'ai juste des bons commentaires à dire sur eux autres, sur toute la gang, la façon qu'on est reçu, le genre de pêche, ils font tout. Et comme là, ils nous ont expliqué aussi qu'il fallait essayer de faire la fosse assez rapidement parce qu'on trouve beaucoup de saumon, de pink saumon. Mais ce qu'on veut, c'est un coho. Fait qu'ils disaient, tiens, on la passe rapidement, on le sait qu'il y a du pink, mais s'il n'y a pas de coho, on change de spot. On cherche ça, on a vraiment ça dans la tête aujourd'hui, le coho pour la journée. Fait qu'on continue, puis il donne toute son énergie pour qu'on réussisse notre objectif. On descend en rafting la rivière, puis on peut diguer en même temps partout où l'eau est un peu plus calme. Qu'est-ce qui serait vraiment hot, là? Ça serait de réussir notre challenge de pogner un coho, mais à partir du rafting. Direct dans le rafting, c'est un autre feeling, c'est vraiment le fun. On va remettre ça à l'eau, une belle petite pavelle à main. Merci. Oh! Hey, j'ai juste le temps d'en mettre la ligne à l'eau, ça recommence, j'en pogne tout de suite un autre. Hey, il est plus combatif. C'est rare que je pêche assis sur ma chaise, même. Oh! Oh, that's a go! That's a go! That's a go! Oh! Don't let it go! Don't let it go! Get it in the boat! Oh, yeah! That's a go, my friend! Yeah. That's how we do it! Wow! Vraiment un beau combat. Daniel, il a pris deux poissons en deux lancers. Tu sais, quand on a passé, Wesley nous a dit « Lancez-la, les gars! Yeah. » Hey, ça, c'est ce qu'on cherchait. C'est comme on dit, c'est le meilleur poisson pour manger. On va le garder, on va se faire un beau lunch avec ça. Ça fait deux jours qu'on court après cette co-là. Ben là, moi, je suis monté sur une cuillère, puis ça a l'air à mort sur le digueur à Dan, que j'ai volé sa canne. Oh! Ah ouais, non, mais ça! On met toi un jig! So here, this is a male Pacific pink salmon. You can tell by the hump on the back and the kipe jaw with larger teeth for fighting off male competitors with his spawning mate. Larger shoulders, always a larger fish as well than the females. And in comparison, we have a female Pacific pink salmon. You can tell, regular rounded back with no hump, rounded snout with no kipe, and barely any teeth because she doesn't need to fight off any competitors. Both beautiful fish, both wild, and back to make babies, hopefully together. Dernier spot de la journée, on va parquer le rafting, on va aller pêcher ici en bas là. On a passé une super belle journée. Moi, à l'expérience de pêche en rafting, c'était la première fois que j'essayais ça. On a sorti beaucoup de poissons. C'est quelque chose de différent. C'était vraiment le fun. Là, on veut ramasser vraiment des gros spécimens de coho ou de chum. Du pink, on en a pris. C'est totalement incroyable là-dessus. Fait qu'on s'en va en bas là, puis on continue. Oh! Oh! Oh, that's a good one! That's... Oh, oh, oh! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec Eric Blackburn, chef cuisinier pour les restaurants de la Voie Maltée. Il va nous montrer comment c'est simple de préparer un tataki de saumon. Un saumon de l'Atlantique. On va commencer par lever sa peau. On sépare le filet en deux, on suit la ligne au centre. Là, pour la prochaine étape, on va le saumurer. On va faire une saumure sèche, qu'on appelle. Fait qu'on va prendre les herbes, garde choisis-là. On peut mettre n'importe quel? Oui, okay. Comme tu le sens. Oignon vert, c'est le fun. Un petit peu de ciboulette. On va les mélanger ensuite avec un peu de sel, du sucre. On va servir ce tataki-là avec la rabat-joie. Le bleu est, il y a un bon ami dans sa piste aromatique, et c'est la tequila.
On va mettre un peu de chaleur dans le tataki. Et ça, on va envoyer ça au frigo pour un bon 2 heures. Maintenant que notre poêle est chaude, on va saisir le saumon. On est rendu à l'étape de garnir notre tataki. Des tomates, des bleuets, des graines de citrouille rôtie. Graines de citrouille rôtie, ça va vraiment bien aller avec ta rabat-joie. Vinaigre balsamique blanc, un vinaigre de vin blanc. D'abord, un bon vinaigre de qualité aujourd'hui, garde, c'est un vinaigre de framboise. Daniel, je t'explique le jeu. Tu vas prendre un morceau de saumon. Tu vas essayer d'avoir chacune des garnitures sur ta fourchette. Pendant ce temps-là, je sers la rabat-joie qui va faire opérer la magie, comme on dit. Mmh. Wow, c'est vraiment excellent. Merci beaucoup. Cheers. Oh! Oh, that's a good one! That's... Oh, oh, oh! Hey, man! No! 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 Oh, man! Oh, shit! Ah! Oh, no! Come back. Oh, yeah, that's the one you hit. Come, no, don't cast. Wait a second, just let it calm down. We'll go back to the boat here for a second. I'm gonna change something with your lure. Change the lure? Yeah, I'm trying to, so it doesn't remember, right? Yeah. I'm trying to be smarter than the fish. Nerveux en tabarouette, là, je lâche, puis on dirait que chaque petit roulement, je suis prêt à ce que ça monte, puis je veux vraiment avoir ce coup-là. Oh! I have one! Oh non! Oh, still have it! Yes! Wait. Oh yes. Yeah. Oh. Yes. Check it out. Oh man. No. He's going too far. Oh man. Ah, oh, damn it. Too bad. That was amazing. You want to see it? Oh, mais ce poisson-là dans le net! I got to fake! Oh, yeah. Oh, thank God! Woohoo! Wow! What a big fish! Beautiful! Oh, good. Thank you! Wow! Yeah! Ouais! Hey! Il m'a donné tout qu'un combat, man! C'était fou, là, quand il est parti par là, je suis là. Là, il va partir avec la ligne, c'était. Wow! Hey, j'étais encore nerveux. J'ai encore le feeling de Dan. Quand il pogne. Hey! Toute qu'une sensation. Même si c'est pas moi qui l'a pogné, je venais d'en prendre un petit avant, man. Juste de voir le combat à Daniel, là, j'ai la même adrénaline que lui. J'ai vu le combat que ça peut donner. Wow! Et encore une fois, je remets tout le mérite sur Wesley, qui nous a suggéré d'attendre un peu. Après ça, on est allé changer de couleur. C'est tout à son honneur. Si on fait une belle pêche aujourd'hui, c'est grâce à une équipe, qu'on travaille en équipe. Puis Wesley, c'est un membre important de l'équipe. On a vu d'autres spécimens, c'est pour ça qu'on essaye encore. On a vu d'autres beaux cahots. Normalement, ça se tient en gang. Oh oui! Oh oui! 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 Oh wow! Pas mal sûr que c'est un cahot. Oh oui, c'est un beau! Oh oui! Oui! Oh oui! Wow! Oui! C'est mon tour! Wow! Whoa, baby! Whoa!
Wow! Not too much. Oh, je suis nerveux, je le veux. Je veux ce poisson-là. Okay. Walk backwards. Bring it back, yeah. Wow, les coups de tête. Oh, wow! Oh, oh, oh. Hey, I'm blue! You choose the blue? You want? Hey, always choose the good color, my friend. Always. Come, baby, come here. Sit down. Way! 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 Yes! Yes! Fuck off! Yes! 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 Oh, wow! Wow, man! Wow! Wow, man, mon plus gros saumon, c'est fou! Kitimat River, la rivière Kitimat, elle nous a des trophées de ce genre-là. Oh, wow! La journée est pas mal terminée. On peut pas demander mieux. On a eu ça quand même dur. On avait eu des pings, tout. Beaucoup de pluie, on s'est promené. On a mis tous les efforts, comme je disais tantôt. On a travaillé juste jusqu'à la fin, totalement. Après que j'avais perdu le mien, j'étais un peu découragé au début. J'étais là, oh non, c'est quoi, je l'ai vu sauter. J'étais là, wow, le monstre, puis je l'avais pas eu. Mais on a persévéré, ça a fonctionné, ça a marché. Je pourrais dire que le rêve continue. Ça loupe. Dans la maison, c'est... Ah oui, la maison! Regarde.